Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ici en Allemagne sur un chantier d'ensilage de seigle. On est ici sur la petite île allemande de Rügen au nord-est de l'Allemagne. Donc c'est quand même la plus grande île de l'Allemagne avec 77 000 habitants et 400 000 hectares de culture agricole. Et principalement les cultures agricoles, qui c'est qui les fait? C'est l'entreprise Agrar Service Rügen. Vous êtes nombreux à connaître la couleur de tous leurs tracteurs en version Fen Pin Green. Donc pour la petite explication culturelle, pour venir ici à Rügen, si vous voulez venir en vacances, parce que c'est très touristique, il suffit de venir sur la petite ville portuaire que je vous mets ici. On la voit très bien au fond du pont. Et au milieu de la ville portuaire, il y a un pont que vous prenez. Et vous arrivez directement ici, au milieu de l'île de Rügen. Sur le sol de Rügen. Donc voilà pour la petite explication et je vous propose de démarrer le chantier. Ça y est, on est arrivé sur le chantier d'ensilage, enfin un des chantiers d'ensilage parce qu'il y a plusieurs ensileuses qui tournent pour ce silo de biogaz. Ici c'est une 981 qui tourne. Et le chantier est un peu spécial, vous l'avez vu, puisque les remorques déchargent dans un système Lade Monster. C'est un élévateur qui permet aux tracteurs qui sont en champ de vider dans des tracteurs plus typés route. Donc ici, les tracteurs de l'entreprise Agrar Service Rügen, ils vident dans l'appareil, c'est des 800 avec des remorques classe cargo. Et les tracteurs qu'on a vu au tas tout à l'heure, ils sont juste là. Il y a plusieurs ensileuses qui tournent, je vais vous mettre aussi des photos des autres chantiers. Il y en a un qui est plus près de la mer et l'autre, c'est la 960 qui tourne principalement avec des camions parce qu'elle est beaucoup plus loin. Bon ben voilà. Bon là il y a un petit moment d'attente puisqu'ils sont en train de détourer la parcelle qui est juste derrière ici, on entend bien. Et vous voyez on est vraiment pas très loin de la mer. Et ici, juste à côté, il y a la ville de Binz. C'est une ville très touristique avec une belle plage de près de 8 km. Je vous mets quelques images. Et dans cette ville que j'ai été visiter, j'ai vu quelque chose de surprenant. Regardez. Et
de l'île de Rügen. Il y a une petite locomotive qui fait tout le tour de l'île pour les touristes. Et à chaque passage, c'est un peu l'animation avec pas mal de gens pour prendre des photos. Bon alors, pas mal la locomotive. Bon, plus sérieusement, la machine Leyde Monster, c'est fabriqué par le constructeur allemand Bechlone. Et je vous mets les coordonnées parce que si jamais vous voulez ça chez vous, je vous mets l'adresse mail du gars. Le chargement va pouvoir reprendre parce que le 800 a fini de détourer et il arrive. Dernière benne ici, ça va être l'heure de la pause déjeuner pour tous les chantiers. Moi je retourne au silo.
le 1000 qui se prépare, ça va envoyer. Meine Mitte so ab. Bon là ça fait une belle vue de drone, les trois autochargeuses classe qui déchargent en même temps. L'autre il attend là. J'ai essayé le 942. Bon, vous avez peut-être remarqué, ici, les silos, ils sont au milieu de rien du tout, ils sont au milieu des champs. Alors, je vais vous raconter pourquoi. Ici, l'île de Rügen, elle compte 4 unités de méthanisation. Donc, la première, c'est celle-ci où on est. La station a choisi de construire les silos directement dans les champs, au plus près de la culture. Comme ça, le jour de l'ensilage, il n'y a pas de transport de réaliser. Et la station de méthanisation, elle est située dans une zone industrielle. Elle n'a qu'un petit silo pour stocker l'équivalent de la consommation de matière d'une seule journée. La deuxième station de méthanisation, elle est dans le centre de l'île. Et elle valorise à la fois des déchets agricoles, mais également tous les déchets de la pêche locale. La troisième station de biogaz de l'île de Rügen, vous ne pouvez vraiment pas la louper puisqu'elle est située à l'entrée de l'île quand vous sortez du pont tout de suite à gauche. C'est une énorme station puisqu'elle appartient à la plus grosse ferme de l'île. Aujourd'hui, ils sont également en siège. J'ai fait quelques vues avec une équipe full class, des gros actions 900 au transport avec des Ben Cramp et également une Jaguar dans le Seigle également, comme ici. Et la dernière station de biogaz, la quatrième, elle est située sur la presqu'île de Sinitz. Pour s'y rendre, il faut vraiment avoir de la volonté puisque c'est une presqu'île. Il faut reprendre un dernier petit pont depuis l'île de Rügen pour aller sur cette presqu'île. Cette presqu'île est très connue dans le monde entier puisqu'elle fait un gros commerce de tuyaux à gaz. Elle est leader sur son marché et elle a un port qui est dédié à l'expédition de ces tuyaux. Vous voyez quelques images. Sur la presqu'île est située une ferme céréalière qui est équipée d'une station de biogaz. L'entreprise Arar Service Rügen réalise beaucoup de transports pour cette ferme. Bon allez, je redescends du silo et on va aller essayer le 942. Bon c'est bon, je suis arrivé au 942, je vais aller essayer ça. Allô. Guten Morgen. Einfach. Ja.
c'est bon, j'ai fini les essais du 942. Merci hein. Danke schön. Bon bah super. On continue. Pas trop mal pour une petite fin chantier. C'est fini pour aujourd'hui, il est 22h. Le 1050 et le 942 sont en train de finir. La JCB 435 est partie et le 1046 aussi. Là, ils arrêtent pour aujourd'hui. Moi, je vais aller dormir à l'entreprise Agrar Service Rügen. Demain, je vais aller voir 2-3 autres machines à eux. J'espère que la partie en silage vous aura plu. Donc, au revoir, petit 1000. Allez, c'est parti. Salut à tous, ça y est il est 5h, la nuit a été courte, l'ensemble 720 faucheuse est prêt à partir. Marcel arrive, je l'ai vu arriver sur le parking, je le laisse partir et en attendant, moi je vais faire quelques prises de vue de toute l'entreprise pour vous montrer. Allez c'est parti! Vous l'avez deviné, ici l'entreprise Rügen est logée sur une ancienne ferme d'état de type kolkhoz. Alors, ce qui est assez intéressant et même saisissant, il y a tout le vieux matériel qui est encore là. Là, les vieilles charrues, les vieilles remorques de l'ère soviétique. Et puis tout le nouveau matériel de l'entreprise Rügen, regardez derrière, il y a les deux gros vrais dos qui sont là. Bon là je suis à la sortie, il y a une parcelle ici, elle est juste colossale.
C'est bon, je viens d'arriver à la ferme où Marcel vient faucher de l'herbe. Donc c'est une exploitation de vaches laitières. Là il en a pour environ 3 jours la parcelle au pied de la stabulation. Ici elle fait 200 hectares. Et là ils sont en train de prendre un petit café avec le client. Vous allez voir ça. C'est bon, je suis remonté à l'étable de cette exploitation laitière. Donc ici dans la ferme, il y a environ 500 vaches à la traite. La traite est déjà finie, c'est pas grave. Je vais quand même vous mettre quelques belles images des animaux. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more just waiting for you. Le patron de la ferme laitière vient de me donner les coordonnées GPS de la parcelle où se trouve l'entraîneur. Je m'y rends là, mais je suis le GPS, mais la route, là c'est pas formidable. Hein. Bon là je me suis rangé parce que regardez qui c'est qui arrive. Le 800 avec l'entraîneur Kuhn. Puis au moment que j'allais le voir, je le croise parce qu'il a fini cette parcelle. Magnifique, on va aller voir ça au travail, mais... C'est bon, l'entraîneur de l'entreprise Agrarsalus Rügen a déjà fait quelques hectares, a déjà quelques parcelles de prête. Donc l'équipe jeune d'air de cette ferme ont attaqué. On retrouve le 8370R au tassage, un 8200 lesté au compactage. Là ici c'est un 6215R qui est sur la benne crampe 3 essieux. Sinon il y a un 7710 sur une Caveco et il y a plusieurs autres jeunes d'air. Et l'ancieuse c'est la 8800. Je vous mets quelques images. Depuis le silo, j'ai suivi le 6215R et la grosse crampe 3 essieux pour aller voir où est la jeune d'air 8600.
Bon, je sais pas si ça vient que les chauffeurs sont bons ou si c'est parce que le matériel Kuhn est du bon matériel, mais en tout cas quand les deux ensembles sont passés, bah ici c'est le Stade de France, hein. Y a plus qu'à aller chercher le ballon, hein. C'est nickel. Bon, et bien voilà, c'est fini pour cet épisode ici en direct de l'île allemande de Rügen. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager massivement cet épisode. Je vous dis merci pour tous ceux qui sont abonnés et ceux qui ne le sont pas, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, on arrive bientôt à 200 000 abonnés. Je pense que ça va arriver courant d'été. Je vais devoir vous préparer une petite surprise. Sur ce, je vous laisse sur quelques belles images de ces quelques jours ici à Rügen. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut !